Hey, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est parti pour Present Simulator. Donc voilà, donc apparemment là au début, enfin, il nous explique comment faire normalement, hein. Donc on suit la petite flèche, donc on clique sur le reverse, il nous propose un premier reverse. Alors, tu fais rien d'autre? Ah ça y est, les flèches. Hop. Donc, en gros, il faut qu'on choisisse dans quel monde on veut aller, d'accord? Donc, la première fois que j'ai lancé le jeu avec mon autre compte, je suis allé dans celui qui est là-bas, là, avec la coccinelle au-dessus. Ben là, on va aller dans un autre. Vous savez quoi? Comme ça. Voilà. Comme ça, je verrai pas la même chose. Donc là, les pets. Et là, on est dans un univers glacé, du coup. Alors, on a nos petites menottes. On a eu notre premier pet. On a eu un kitty. On a eu un petit chaton. Oh! Il est mignon, les gens. Alors, on s'équipe de lui. Coucou, copain. Et vous voyez, on a des cadeaux de taille petite. Moyenne, c'est celui que je suis en train de taper. Et on en a des très grands. Vous verrez après quand on en croisera un. Là, pour le moment, on n'en croise pas. Mais voilà quoi. Il faut patienter un peu, dirons-nous. Mais vous inquiétez pas, vous l'aurez à un moment donné. Donc là, on a eu un 8, pardon, qui est plutôt bien. Parce que plus 2 en pièces. Là, on a obtenu ça. Donc, pour le moment, on va laisser celui-là parce que c'est le meilleur qu'on ait, en gros. Donc, autant rester avec le meilleur que l'on puisse avoir pour le moment. Hop. Alors, il faut ouvrir les petits cadeaux. Allez, allez. Bon, là. Ah, vous voyez, là, par contre, c'est l'attaque des griffes. Ça m'intéresse plus. Donc, je vais changer mon 8. Hop. Allez, hello. Alors, on change, on change. Là-bas, on en a un moyen, on va prendre celui-là. On a une récompense meilleure dans les plus gros de ce que j'ai pu voir. Durant les ouvertures que j'ai pu faire. Ah bah, et vous voyez, là, il y a un gros cadeau, mais vu qu'il l'a touché, je peux pas le casser avec lui. Bon, là, mon backpack, il me dit qu'il est plein, mais même s'il n'aurait pas été full, je vous assure que je ne peux pas le casser, en fait. Si quelqu'un est sur un cadeau, quoi, eh ben, nous, on n'y a pas accès. Donc c'est un peu dommage, mais bon, voilà quoi, c'est le jeu. Il est comme ça, donc faut le prendre comme il est, j'ai envie de dire. Alors, on va ouvrir encore quelques cadeaux, allez, vite fait ensemble, et après je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans la suite de la zone. Ensuite, je sais pas encore le tarif du Rebirth, il faudrait que j'aille voir. Donc là, vous voyez, on en a eu un meilleur, par exemple. Donc on va mettre plutôt celui-là, du coup. Et après, on en a qui sont à plus 4. Qui sont goldés, on va dire, parce que on va voir, vous verrez, ils ont un truc or autour de eux, en gros. Et on les a dans les gros cadeaux, quoi. C'est ça qui est dommage, en fait. Et on va pouvoir prendre peut-être un autre pet, du coup. Peut-être bien. Ça pourrait être cool, en vrai. Alors, je rem... Ah, mon backpack est full, alors, allez. Par contre, des fois, quand je veux vendre, ça marche pas, les raccourcis. Hop, on clique sur un cadeau, on va plus vite. Ah, vous voyez, on a 600 pièces. Alors, on va se prendre un pet à 500. Hop, allez, qu'est-ce qu'il va nous donner? Roulement de tambour. Oh, on a une mouse. On a un petit Mickey. Non, pet là-haut, hello. Donc, vous voyez, on a droit à 4 pets au total. Donc, c'est plutôt cool. Alors, j'ouvre juste le moyen et ensuite. Ah, il y en a un grand. Oh, dommage, la personne est plus proche que moi, donc ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Vous voyez, là, même la personne qui est là aurait voulu casser avec moi, mais elle peut pas. Et ça, elle le comprend pas, là. Alors, du coup, vous voyez, ici, on voit qu'il y a plusieurs environnements, en fait. Vous avez des zones à débloquer, vous voyez, avec de l'argent. Donc 1000 la première, 2000, 3000, etc. Donc vous voyez là on a un maxi cadeau qui est en face. Donc voilà, il faut farmer. Sévère. Mais on farme assez vite l'argent en vrai, donc c'est pas un problème. Et j'ai la voix qui part, donc ça fait plaisir. Ah, l'environnement bonhomme pain d'épices, j'adore. Et là ça fait genre le chemin du pôle Nord et tout. Pour aller voir le Père Noël. Ah, oh, c'est sympa. Alors là c'est le truc qui vous aide à speeder. Alors là, je comprends pas.
Dear Santa, cher Santa. C'est les cookies qu'ils ont fait pour le Père Noël. Et là, c'est juste un. Hein? Des castors avec des noisettes? Ah ouais, des casse-noisettes et tout. Ah ouais, c'est valide en vrai. Alors, les dernières zones, à quoi elles ressemblent? Choco, choco, cercueil. Ah ouais, le train au chocolat. Et là, on voit toutes les créatures du Père Noël. Et là-bas, tout au bout, le pôle Nord, le Saint Graal. Et la zone qui coûte 1 200 000. On va pas sentir que ça va être chaud. Alors, allez, go, on prend ça. On va retourner tout au bout. Tac, tac, tac. Et en vrai, moi, ce que je voudrais, c'est retourner au spawn pour aller voir combien coûte le premier. Enfin, le deuxième Rebirth, du coup. Hein? Comme ça, on saura tout ce qu'on a besoin de savoir pour ce début d'aventure. Alors. Allez, Coco. Je l'ai pas testé longtemps hein, sur mon autre compte, mais je voulais reprendre à zéro pour vous montrer vraiment comment c'était de A à Z en gros. Je l'ai eu! Yeah! J'en ai eu le maxi cadeau! Wouh! Ah, c'est trop cool! Ah, c'est trop bien. Ah, je baisse les PV, je vous reprends. Alors, les amis, on se retrouve. Donc, c'est quelque chose qui nous donne plus d'argent. Donc, bah, ça m'intéresse pas, malheureusement, j'ai envie de vous dire. Donc, tant pis. Qu'est-ce que je veux faire? Donc, on va retourner au spawn, comme je vous ai dit. On va aller voir combien coûte le prochain Rebirth. Donc, ah oui, là, vous devez vendre, du coup, vos items. Quand on fait celle pour vendre. Et là, vous pouvez acheter tout simplement vos sacs à dos avec une taille différente, etc. Et ici, c'est pour améliorer vos griffes. Donc, voilà un peu. Moi, je trouve ça là super mignonne. Mais c'est pas ça qui seront les meilleurs, donc c'est dommage. Là, on dirait Godzilla. Il y en a, je les aime pas trop. Je trouve qu'elles sont vraiment trop dark, vous voyez. C'est pas assez sympa, joli, vous voyez, pour des griffes. Oh la vache. Bon, bah voilà, vous avez vu un peu les différents modèles, on va dire, qu'il y aura. Et bon, je trouve qu'il y en a qui sont pas foufous, mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est le jeu. Hein. Alors, du coup. Le prochain Rebirth. C'est quoi ce skin? What the fuck? C'est quoi ce hate? Oh, il a Rudolph, regardez! Oh, c'est trop bien! Oh, je kiffe! Pardon. J'ai pas eu le temps de comprendre, mec. Reparle-moi, s'il te plaît. Ah, 100 000 coins. Ok. 100 000 coins. Ah, j'ai donné 0. Comment on obtient des clés? Ah, ça, je savais pas. Vous voyez, la première fois que j'ai joué, j'ai pas tout regardé. Ah, d'accord. Je viens d'acheter un truc qui me met du speed. Ah, j'ai un casque. C'est le casque que j'ai eu tout à l'heure. Ok. Alors, notre zone, elle est là-bas. Alors, on retourne dans notre zone, écoutez. Je suppose ça vaut le coup que j'ai dépensé de l'argent pour ça. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ce que je vais faire, là, c'est qu'on, je vais farmer pour avoir un autre pet. Et on va améliorer le sac à dos en premier. Donc, je visais celui qui est à 500, je pense. D'accord? Donc, je vais farmer un petit peu en votre absence et je vous reprends dès que j'ai un petit peu avancé les opérations, les copains. Et heureux, les copains. Alors, j'ai farmé 5 000 au final pour pouvoir avoir plus de choses possibles. Donc, on va prendre ce petit pet déjà. Ok, on a un petit lapinou. Donc, on en fait un autre. Allez, allez. Puppy speed, ok. On va s'équiper tout ça. Hop, équipe, équipe. Voilà, donc déjà, on aura un peu plus de trucs. Et du coup, on va prendre les griffes à 2000. Hop, ça en fait du 6 de dommage. Non, c'est pas là qu'il faut que je vienne, c'est à côté. Alors, le backpack, on va prendre celui à 1000. Voilà, on a 20 items comme ça.
Et on va aller débloquer la première zone. Voilà, donc vous voyez, c'est pas mal, on progresse. Regardez comment ils sont, la taille des... leur taille qui est différente et tout. C'est trop marrant. Et vous voyez, on les casse instant là, hein, les cadeaux de la première zone. Alors, la zone à 1000 est de ce côté-là. Tadam! On peut attaquer les bonhommes de neige? Non, c'est juste des décors. Je préférais tester les gens. Ah, les cadeaux, ils sont pas pareils. Ils sont pas en forme de vraiment de cadeaux, il y en a. Ah, pas mal, c'est des sachets et tout. Ah, on fait beaucoup plus de dommages. En vrai, c'est plutôt sympa. Ah, je suis ravie. Un investissement intéressant, j'ai envie de dire. Ah. Oh, vraiment sympa. Nice, 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 nice. Oh, les gens, c'est plutôt cool. Ah ouais, je suis ravie en vrai, c'est bien, bien, bien. Allez, allez, allez. On fait quand même beaucoup plus de dommages, mais c'est pas encore ça, on va pas se mentir. J'allais taper sur mon pet, je sais pas pourquoi. Des fois, mon cerveau ne calcule pas ce qui se passe, je crois. Alors, on n'a rien de plus extraordinaire que ce qu'on a, donc c'est ça qui est dommage. Mais écoutez, on va continuer à ouvrir des trucs pour essayer d'avoir des choses mieux. Je sais pas trop en vrai si je rush les zones ou si j'améliore ou pas mon sac à dos et mes griffes. Je sais pas trop. En vrai, je me dis que peut-être qu'il faut plutôt prendre les zones parce que ça rapporte peut-être plus d'argent au niveau des items. On va voir combien on va récolter là avec notre sac qui est plein. On va voir. On va voir, on va voir. Hop. Attendez, ah, attendez, attendez. Avant, on va regarder. Ouais, j'en ai pas un en gold. Ouais, ouais, j'ai pas un gold. Donc, ça sert à que dalle. Hop, donc on peut tout vendre. Donc là, si je vends tout ce que j'ai, je vais me faire combien? Ah, on a assez pour débloquer la prochaine zone. Donc, vous avez vu, on a gagné 2300 en vendant un seul sac. Donc, on va essayer de débloquer la deuxième zone et voir pour remplir un sac ensemble. Et après, on étudiera un peu voir si ça nous rapporte plus le sac à dos plein quoi. Salut les gens! Oh, des petits pingouins! En plus, il n'y a personne, il n'y a que nous dans la zone, c'est plutôt cool. On va être tranquillou. On va voir si ça nous rapporte plus. Donc, sinon, on va rush les zones et pas rush le changement d'item pour le moment. Allez, allez. Ah, vous avez vu, il y a des cadeaux verts aussi. Ah, oh, j'aime bien. Ils ont plus de dommages, donc en vrai, je pense que les items doivent rapporter plus de fric. Hein. Je pense quand même. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi, ça me paraîtrait logique, on va dire. Alors, hop. Bon, des fois, ce qui est logique n'a pas trop d'intérêt dans certains jeux, mais je pense que ça doit être ça. Hop. Allez. Donc, vous avez vu, on met plus de temps à casser. Hein. C'est normal, bien évidemment. Hein. On n'a pas de. Je voyais pas ma souris, j'ai bugué. Hop, j'appuie sur Shift comme ça je vois bien mon curseur. Allez, go hello. Alors, on va être au 10e item, donc c'est assez long parce que c'est plus long à casser. Donc, il va quand même falloir améliorer les griffes. Mais bon. On va dire que c'est pas ma priorité. Si on peut débloquer un peu plus de zones dans la vidéo, je dis pas non pour qu'on puisse découvrir un peu les tarifs, etc. Ah, il est mignon, ça fait une petite tête de robot, je trouve. Je trouve. Alors, 12 items, donc c'est parti, il faut rush les 20. Alors, les amis, j'ai les 20 items, donc on va les vendre et on va voir combien ça va nous rapporter tout ça. Hop, hop. Ouais, ça c'est cheat en vrai. Hein. Je trouve. À 100 combien les griffes d'après? 5 000? En vrai, il faut prendre ceux qui sont à 15 000. Ouais. Ah, on va débloquer la zone à 3000, vous savez quoi? Et après, on va pouvoir débloquer bah, les prochaines griffes. Alors, la zone est de quel côté? Là-bas. Ah, elle est pas 3000, elle est à 6000. Ah ouais, ok, ils ont augmenté les tarifs. Alors, eh ben, je vais continuer à farmer, écoutez. J'ai 12 000 au final, j'ai farmé plus que nécessaire. J'ai rempli deux fois le sac, donc je suis arrivée à 12 000, mais c'est pas grave. Alors, la zone à 6 000, c'est parti. Coucou! Ah, on a un grand cadeau là-bas. Et bien sûr, j'ai eu ce chapeau. Donc, on va se l'équiper d'ailleurs. Parce qu'on va faire un peu plus de damage avec.
Bon, c'est pas foufou, mais un peu plus. Alors, on va essayer de faire des dégâts au cadeau. Ouais, on fait pas beaucoup, beaucoup de dégâts. On va pas se mentir, c'est chaud, chaud cacao, là. Hein. On va s'acheter les autres griffes, clairement. Parce que sinon, là, on est mal, les gens, je vous le dis direct. On va faire une syncope. C'est pas possible. Ah, écoutez, je remplis mon sac et je vous reprends tout de suite, les copains. Alors, les amis, on se retrouve. Donc, c'est le dernier cadeau que je dois ouvrir pour remplir mon sac. Donc, hop, on clique sur 1. On va aller vendre tout ça. On va pas s'enquiquiner. De toute façon, j'ai eu rien de gold. Donc, j'ai pas eu de maxi cadeau. Ouais, on va à 15 000 ou 12 000 les griffes, je sais plus. 15 000. Bah, il va falloir remplir encore un sac. On va remplir un sac dans cette zone, les amis. Et je pense que ça devrait le faire. Parce que, bon, il ne manque pas grand-chose. En soi, voilà, on va pas courir à l'autre bout et faire un truc où voilà, ça va nous prendre 15 plombes. Je préfère ouvrir des petits cadeaux. Alors on va le descendre beaucoup plus vite que quand à la normale, quoi. C'est ah, c'est fou, quoi. Les griffes, quand même, la vitesse. Et vous avez vu qu'on est monté à 6,61. Donc, nos pets, quand ils évoluent, ils nous rapportent plus d'attaques, en gros. Donc, c'est plutôt bien. Ah, le gars fait le maxi cadeau, tant pis. Ah, il y en a un autre. Waouh, ça spawn beaucoup plus dans cette zone, dis donc. Vous avez vu ça? Ah, le gars l'a pas fait. On va le faire, nous. Hein. Pas plus le hate a un niveau supérieur, plus il nous rapporte. Donc, autant le faire, quoi. Oh, il est mignon, l'écureuil. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé à quoi ressembler. Ah, oh, ouais, on est pimp avec notre petit bonnet. Et... Ah, c'est sympa, bonheur, les gens. Sympa bonheur. Hop, allez, on va vendre tout ça. J'espère qu'on va avoir assez. Hop. Allez, encore un à remplir du coup. Ouais, un à remplir. Ouais, pas tout à fait. Allez, on va récupérer quelques items. Hop, pour finir notre achat, tout simplement. Pour voir un peu notre vitesse de griffe, si elle va vraiment bien nous aider pour la zone. Pour pouvoir farmer les 16 000, je crois, pour la zone suivante. Si je dis pas de bêtises, c'est 16 000. Donc voilà quoi, l'air de rien, ça prend du time. Mais je trouve qu'il est sympathique comme jeu. C'est un jeu que je continuerai en live parce que franchement, je trouve vraiment que le concept, il est sympa. Il n'y a pas de quête et tout. Souvent, j'aime bien quand il y a des quêtes. Mais là, le fait qu'il n'y ait pas de quête, bon, ça me choque pas plus que ça parce que comme... L'environnement est sympa en fait. Et le fait qu'on ait des mondes à débloquer avec un univers différent, tout ça, moi ça me plaît bien. Donc après, voilà, c'est les goûts et les couleurs, je vais vous dire. Donc voilà, l'air de rien, on a rempli le sac à dos le temps que je vous parle et tout. Donc plutôt cool. Donc on va avoir assez. C'est ce qui est bon, ça par contre. Alors lui, il est en train de danser, là, de faire son foufou là, mec. Et yes, on a assez pour les griffes. Alors. Waouh, on fait du 26 de damage. Oh mon dieu. Ah ouais, on l'a cassé instant. Allez, on va voir dans notre nouvelle zone. C'est parti. Ah non, c'est 15 000, c'est pas 16 000. Ok, donc on va faire choix en 15 000. Ok. Ah ouais, c'est un peu plus rapide, les amis. Eh bah écoutez, moi je ferme les 15 000 et puis on se retrouve après. Hein. Et re les copains, alors j'ai les 15 000, j'ai fait deux sacs à dos et j'ai eu 15 000, c'est plutôt cool. J'ai eu beaucoup de grands cadeaux, donc ça m'a permis d'emporter plus d'argent. Donc c'est plutôt bien. Donc la zone à 15 000, écoutez, on va voir ce que ça donne avec nos griffes niveau dégâts et tout. Oh, et dans l'univers des pains d'épices, oh, c'est trop cool. Ouais, c'est pas foufou, on va pas se mentir. Donc vous voyez bien que en fonction des mondes, voilà, il faut améliorer voilà, son stuff. Hein, parce que clairement, les 26 de damage font que c'est lent dans la zone, d'accord? Donc on pourrait être beaucoup plus rapide si on investissait dans des items, enfin des griffes plus puissantes, quoi. Bon, en soi, voilà, ça me perturbe pas plus que ça. Je trouve ça plutôt cool parce que bah, c'est un peu legit, quoi, si vous voulez mon avis. Voilà. Plus on upgrade, plus bah, on upgrade aussi l'arme au niveau des trucs. C'est un peu logique pour moi.
Donc écoutez, je vais remplir un sac à dos pour voir combien ça nous rapporte un sac et je vous reprends après. Hé les copains, donc c'est parti, mon sac à dos est full, donc on n'a plus qu'à aller voir combien il va nous rapporter. Alors hop, on va vendre. J'ai rien eu d'extraordinaire, donc voilà, hein, on va pas se mentir. Il y a plus ouf. Alors, ah ouais, du 10 000. Ah ouais, donc je vous confirme que plus on avance dans une zone, plus voilà, ça rapporte du fric. Et on peut même acheter un nouveau sac à dos. Bah écoutez, on va retourner dans la zone, mais clairement, je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. Je pense qu'avec tous les moments où je vais retirer tout ça, la vidéo va durer bien une vingtaine de minutes. Donc on va pas faire plus si vous voulez mon avis, histoire de pas vous mettre une vidéo trop longue. Mais voilà, c'est plutôt cool. Donc j'ai pas encore cassé de cadeaux de cette taille. J'ai eu que des comme ça et des plus petits. On va voir si on va avoir un hate intéressant avant de se quitter. Ah bah non, vous avez vu, ils sont tous level 5, donc c'est plutôt cool. Donc je vous laisse là pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo et à dimanche pour une vidéo Roblox les amis. Donc bye bye à tous, portez-vous bien, ciao ciao!